Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel After Effects dans lequel on va essayer de découvrir une nouvelle fonctionnalité de la mise à jour de 2020 qui est le Video Content Aware Filling qui correspond simplement à l'extension à la vidéo de l'algorithme préféré de Photoshop qui est le Content Aware Filling, le correcteur localisé ou pas localisé en fonction des cas. Ici, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai sorti une composition sur laquelle je travaille. Je suis en train de monter un petit court-métrage, là. Et justement, ce court-métrage se passe le matin. Et malheureusement, certains des rushs qu'on a tournés, on a dû les tourner le soir. Et vous voyez, là, on a un petit 18h18 qu'il va falloir effacer de l'existence. Donc, allons voir tout de suite mon ami Photoshop pour essayer de comprendre comment fonctionne le Content Aware Filling. Vous voyez, ici, une petite photographie de l'artiste Cerise, notre ami. Vous voyez ici, il a quelques petites imperfections sur son visage, donc voilà, l'algorithme classique, c'est avec le correcteur localisé qui se trouve là, hop, on clique dessus, et Photoshop s'en débarrasse. On remarque que du coup, si on utilise la gomme, hop, et que ensuite on utilise le correcteur localisé par-dessus, on obtient exactement le même résultat. Pourquoi ? Parce que du coup, le correcteur localisé, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il essaye de garder les continuités dans l'image, et il fait une reconstruction de l'image là où on lui demande. Donc en gros c'est comme s'il gommait et qu'ensuite derrière il faisait sa reconstruction pour garder les continuités entre les surfaces. Enfin les surfaces entre guillemets. Si on voit ça en 3D entre les différentes surfaces. Donc hein, voilà comment on peut se débarrasser rapidement des imperfections. Vire-moi tout ça, voilà merci. C'est génial, c'est parfait. Et bah du coup maintenant on va faire ça en vidéo. C'est parti. Du coup, ce 18h18, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Comment ? Eh ben, c'est très simple. On va commencer par le gommer, et ensuite on va demander à After Effects de remplir les trous. Pour gommer un truc en mouvement, en fait, il faut le traquer, finalement. Ok. Bon, bah, vas-y, After. Frame suivante. Ok, tu es perdu, After. Je vais t'aider. Voilà. Continue. Voilà, donc c'est soustraction. Donc vous voyez, ça c'est l'effet de la gomme. On a mis notre masque autour de l'objet qu'on voulait effacer. Et maintenant on va demander à After Effects de remplir le blanc tout simplement. Avec son Video Content Aware Filling. Voilà, qui s'appelle ici remplissage d'après le contenu. Montre-moi ça. C'est très bruité, hein. Attends, tu as fini ou tu n'as pas fini? Apparemment, tu as fini, mais c'est bruité. Petite médiane et un... Ou alors, peut-être pas une médiane, mais peut-être juste un flou. Montre-moi ça. Ouais, je vais te rajouter la médiane avec. Hein. Ouais, mais par contre, là, on n'a plus de grain. Ah, ou alors tout simplement un grain que je viens de rajouter par-dessus. Attendez, hein, j'arrive. J'arrive, les enfants. Petit grain, peut-être pas autant. 0,5. Ouais, ils ont l'air de la bonne taille. Hein. On va essayer de garder un, hein, mais en 0,2 alors. Je vais envoyer ça à la file d'attente du rendu, s'il vous plaît. Donc je disais, on va lui demander de faire un tracking. Voilà, perspective des quatre coins, s'il te plaît. Je pense que ça va être l'enfer à suivre. Dans une zone à peu près grande comme ça. Le problème, c'est qu'il risque de trouver le voisin, en fait. C'est tellement petit qu'il risque de trouver et chercher le voisin, surtout. Fais un truc droit, s'il te plaît. Je suis pas convaincu de ce qui va se passer ici. Oups.
Est-ce que tu peux du coup m'appliquer ce mouvement sur mon 9h27, s'il te plaît? Mais pourquoi j'ai pas le droit de dire je voudrais appliquer mon suivi? Comment c'est impossible d'appliquer mon suivi à quelque chose? Ah, c'est parce que c'est perspective des quatre coins, il me l'avait enlevé entre deux, voilà, 9h27, merci. Et applique-moi ça là-dessus. Où est passé mon 9h27? Tu peux me le dire, où est passé mon 9h27, s'il te plaît? J'ai l'impression que mon 9h27, il est pas exactement où je le voudrais. Ah, c'est parce que j'aurais dû faire un 9h27 en 1080p, peut-être? CTRL-MACH-C. Le transfert tous les attributs de ce 9h27, oui. Voilà, parfait. Et maintenant? Suivi, définir la cible. 9h27, composition. Vas-y. Applique-moi ça là-dessus. Ah, voilà, beaucoup mieux. Petit flou de mouvement sur le 9h27. Ça, c'est ce qu'on a corrigé tout à l'heure. Vas-y, recommence la lecture. Ouais. Il y a vraiment des... T'as vraiment fait apparaître des pixels blancs, là? Si je viens foutre le fond ici, c'est mieux. Donc voilà, ça c'est une astuce très intéressante à savoir. Le fond, faut le mettre en bas. Pas comme After le fait, pas en haut. Parce que du coup, de temps en temps, ça lui arrivait de faire cette erreur-là, exactement. Un problème d'échantillonnage, il va pas chercher au bon endroit avec la soustraction. L'opacité, s'il te plaît. Non, mais juste de lui. Moi, je veux l'opacité de lui. Il m'a fait l'opacité de tout le monde, cette espèce de con. Voilà, en gros, ici, comme il y a deux frames qui se chevauchent, ici, on met à zéro. Sauf que comme on a une frame de décalage, ça commence le flou de mouvement déjà directement. Voilà. Oh, parfait. Et voilà. Ça, c'est ce que j'appelle du bon travail. Un travail qui sert à rien, finalement. J'aurais pu juste me passer de cette partie à du plan, mais c'était mon plan préféré, donc... J'ai passé une heure et demie, du coup, à retirer un 18h18 et le remplacer par un 7h23. Mais finalement, avec After Effects, vous pouvez tout faire. Si vous voulez vous débarrasser comme des imperfections du visage de quelqu'un avec Photoshop, et ben vous pouvez le faire maintenant avec After Effects. Retirer un lampadaire qui traîne sur la route alors que vous n'en vouliez pas... Voilà, et ben en tout cas ce sera tout pour nous pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez bien appris, et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ou alors à me suivre sur, enfin, ou alors à venir regarder sur Twitch les tutos que je fais régulièrement. Ciao !